Makayla Phillips a franchi chaque étape avec succès. Et aujourd'hui, le challenge qu'elle a, c'est d'interpréter Warrior de Demi Lovato. Performance est exquise à tel point où Heidi Klum va presser le Golden Buzzer. Et ce Golden Buzzer, il va propulser Makayla jusqu'en demi-finale. Malheureusement, elle n'arrivera pas jusqu'en finale, mais peu importe. Ça ne l'empêchera pas de chanter un son qui t'a foutu des frissons si t'aimes My Hero Academia. Et donc, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Je veux voir comment vous avez réagi à tout ça. La voix magnifique de ce son, c'est bien elle. Et la première chose qu'on peut se dire, c'est que c'est assez inédit de ne pas avoir une japonaise qui interprète un son aussi important. Alors moi, je le comprends, lui, quand il dit. Imagine, tu commences de America's Got Talent et tu arrives un peu plus tard à ce qu'un japonais te pose la question. Ouais, salut, est-ce que t'as envie d'interpréter une chanson japonaise d'un animé qui va cartonner de fou? Alors c'est vrai que raconter comme ça, ça peut paraître assez ouf et assez improbable. Mais le plus ouf dans cette histoire, c'est que c'est vraiment arrivé. Non, non, non. Est-ce que tu viens juste d'appeler Yuki Hayashi un japonais quelconque? Le respect est mort. Surtout que Yuki Hayashi, c'est pas n'importe qui. Hayashi, c'est un mec qui a commencé par la gymnastique. Et un jour, durant une composition, il s'est fait frapper par l'éclair de génie. En entendant les musiques accompagnant les performances des gymnastes, il a kiffé le délire du son qui les accompagne. Du coup, il s'est dit qu'il pouvait faire exactement la même chose, mais même en mieux. Et c'est comme ça qu'il a commencé à apprendre déjà, et ensuite à vendre des compositions à des gymnastes pour que ces sons qu'ils créaient les accompagnent à la perfection dans leurs mouvements. C'est-à-dire que ces sons étaient vraiment synchronisés à leur chorégraphie. Ensuite, de fil en aiguille, il a élargi son spectre de clients et de compétences jusqu'à composer pour IQ et dernièrement pour My Hero Academia. C'est vraiment la grande classe. C'est vrai que ça peut sonner un peu répétitif. Mais comme je l'ai dit avant, My Hero Academia a des musiques juste fantastiques. Une bande son, ça contribue tellement au succès d'un animé. Moi, je sais que il y a des animés qui me font chier rien que par leur musique. Et je vais te donner un exemple. Dragon Ball. Par exemple, quand tu compares Dragon Ball Z et Dragon Ball Super, outre beaucoup de choses sur le scénario, sur le rythme des épisodes, blablabla, il y a un truc, moi, qui me marque énormément entre les deux animés, c'est le son de Dragon Ball Z. Il n'a absolument rien à voir avec celui de Dragon Ball Super. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, t'as des fans qui mettent la musique de Dragon Ball Z sur les épisodes de Dragon Ball Super, et ça les transforme. Ça t'envoûte tellement, c'est important, le son. Et c'est pas l'immense Hans Zimmer qui te dira le contraire. Souvent, les gens restent bloqués sur la place des dialogues dans la narration. Ils sont nécessaires, parce qu'ils expliquent quelque chose. Mais ils peuvent être tellement longs et ennuyeux, alors que quelques plans accompagnés de musique peuvent être tout aussi parlants. Et pour le coup, quand tu reprends cette scène entre Midoriya et Eri, tu ressens tellement de choses en écoutant le son mêlé avec les images que tu n'aurais pas assez d'une vidéo d'une demi-heure pour exprimer tout ce que ça signifie pour toi. Comme quoi, parfois, il suffit de pas grand-chose pour expliquer tout plein de choses. Et pour le coup, la musique est l'instrument parfait pour ce faire. Et dans le cas de cette scène avec Eri, c'est mission accomplie. La musique pénètre dans notre corps par les voies auditives et nous sommes tout simplement obligés de donner du sens au signal sonore. Donc c'est pas que des mots quand je te dis que ça peut t'impacter physiquement. Ça le fait vraiment. Et c'est pourquoi tu te sens tout chamboulé quand tu entends ce son. Est-ce que ce son est joyeux ou est-ce qu'il est triste? Oui, impossible à dire. Impossible à dire. Je ne saurais pas te dire si c'est un son triste, rempli d'espoir, positif, c'est incroyable. Et pourtant, je sais ce que ça me fait sentir. Les gens étaient littéralement en train de chialer pendant qu'il y avait cette musique durant le film. Moi-même inclus. J'étais là-bas avec mes amis, on était en mode « Allez Bakugo, allez fais-le !» On a tellement kiffé, le film était vraiment cool. Et là, en plus de la musique, on a une sensation magnifique qui vient s'ajouter. C'est l'expérience collective. Entre regarder un film avec tous ses potes au cinéma et regarder un film tout seul chez soi sous sa couette, il y a une différence abyssale. Et c'est pas l'inspecteur qui va te dire le contraire. On va tous se retrouver à un moment donné, à un point donné, pour vivre une expérience commune. Tu sais que ton voisin de droite connaît autant que toi l'œuvre, parce que généralement c'est que des fans qui y vont, ton voisin de gauche aussi, et vous êtes là, et vous kiffez, et vous pouvez vous lâcher. C'est un moment magique. Et pour expliquer cette émotion collective, Theodore Lips suggère que la perception de l'expression faciale de l'autre nous conduit à reproduire cette même expression sur notre visage, et par là même, à découvrir ce que l'autre ressent. En résumé, ça veut dire que t'es sujet à ressentir beaucoup plus d'émotions quand tu es entouré de personnes. C'est beau, c'est la nature humaine, on est fait pour être social. Bon, ok, d'accord, c'est cool tout ça, mais la vraie question à se poser, c'est est-ce que ce son est mieux adapté dans le film ou dans la série animée? Non, selon moi, le son, il déboîte plus dans le film. Alors là, non, pas du tout, je suis complètement pas d'accord avec ça. J'adore le film, hein. Mais il faut pas oublier que c'était un filler, en quelque sorte. Tu sais qu'il n'y a aucune finalité à la fin. Alors que quand il a été joué pendant la série animée, il y avait clairement un enjeu. Quelqu'un était blessé mortellement, quelqu'un d'autre avait perdu ses pouvoirs et pourtant se battait toujours de toutes ses forces. Et là, Deku est arrivé tout seul.
pour sauver Eric. Et c'est à ce moment-là où le son a retenti. C'est vrai que moi, ça, je peux l'entendre. Je suis toujours plus emballé dans un animé quand je sais que derrière, il y a un réel enjeu, quand je sais qu'il y a un danger imminent, quand je sais qu'il va avoir des répercussions qui vont être très graves pour les personnages. Là, ça me fout la pression et t'ajoutes à ça le son, donc ça me met dans un état pas possible. Donc c'est pour ça que, c'est vrai que, personnellement, je trouve que ça m'a fait plus quelque chose dans la série animée plus que dans le film. Vous savez qu'il n'y a rien en jeu. Quand tu dis ça, il y a quelque chose qui me dérange. Parce que perso, à chaque fois que je regarde un épisode, j'essaie vraiment de m'y plonger à l'intérieur. À partir de cette perspective, tu ne peux pas vraiment être dérangé par le fait que ce soit un filler, entre guillemets. Je traite chaque scène, chaque intrigue, comme une situation réelle à laquelle Midoriya doit faire face. Alors je sais, ça paraît ridicule. Mais la vérité, c'est que tout le monde regarde un animé comme si, quelque part, c'était un peu vrai. Sinon, vous ne seriez pas touché par les morts qu'il y a dans ces mêmes animés. Ah, il a des bons arguments, le Boug, hein. Bah, reste plus qu'à me dire en commentaire si toi, tu préfères le son joué dans la série animée ou dans le film. Il y a un vrai débat, je crois, hein. En tout cas, pour le mot final, je voulais encore terminer par un com. Parce qu'il est juste parfait. Les vrais héros ne portent pas de cap. Ils portent Eri. Bon, j'espère que t'as kiffé ce nouveau format hashtag. Franchement, je l'ai eu en réfléchissant tout seul dans ma chambre, j'étais en train de regarder le plafond. J'étais en train de chercher un nouveau format qui puisse se faire assez rapidement et qui traite de sujets en fait que tu kiffes et que tu apprennes aussi pendant le sujet. Et je suis arrivé avec cette idée. Je pense que c'est du grand génie. Dis-moi en tout cas en commentaire si t'as apprécié ce nouveau format hashtag et comme ça peut-être ça me poussera à continuer ou à arrêter, j'en sais rien. Bon, cela dit, en tout cas, je te souhaite comme d'habitude de kiffer ta life et je te dis à plus. Tchuss, ma poule.